Voici Elixir d'Olm, un fier cheval de Mérens, âgé de 3 ans. Il concourt pour devenir étalon agréé. Au pas, au trot ou au galop, le jury le scrute donc, sous toutes ses coutures, pour savoir s'il mérite de perpétuer la fameuse race ariégeoise. S'il réussit ses épreuves, sa descendance sera estampillée cheval de Mérens. Pour mériter cet honneur, il doit donc prouver au jury qu'il a les qualités requises, docilité, agilité et souplesse. L'enjeu pour ce cheval est bien sûr très important, puisque si jamais ce soir il obtient les points, il sera approuvé étalon et donc il aura le droit de reproduire dans la race. Chaque année, nous agréons peu de sujets, uniquement les meilleurs, d'où l'intérêt de bien sélectionner et de bien présenter les chevaux pour ensuite donc produire des chevaux polyvalents derrière. Utilisé pour la randonnée, pour l'attelage ou encore pour le dressage, ce cheval qui a failli disparaître est maintenant très populaire dans le milieu de l'équitation. C'est quoi la particularité de ce cheval pour vous ? Bah, qu'il passe partout, qu'il est polyvalent, qu'on en fait ce qu'on veut et qu'il a un bon mental. Pour veiller à ce que cette race garde génération après génération les qualités que ses cavaliers lui prêtent, il faut donc contrôler sa reproduction à travers ses concours. C'est facile d'évaluer un cheval par rapport à sa beauté morphologique. En revanche, par rapport à l'utilisation, il faut rechercher les meilleurs mâles qui apporteront les qualités nécessaires pour améliorer la production. Ce week-end à Bouhans, les plus beaux spécimens de toute l'Europe participeront à des concours. Un retour aux origines pour le petit prince noir des Pyrénées.